À Medjugorje, pendant une apparition de Marie, la Mère de Dieu a réclamé la prière de la foule. La voyante, étonnée, a dit que les pèlerins priaient déjà. En effet, il y avait 200, 300 personnes qui priaient. Et la Sainte Vierge a répondu que malgré le nombre important de la foule, il n'y avait qu'une dizaine de personnes qui priaient réellement. C'est le grand problème de notre époque. Tout le monde croit prier, et ce n'est que des paroles et aucune vraie prière. Certains vont même jusqu'à dire que c'est simple de prier, il suffit de parler à Jésus. Eh bien, Marie nous signale que ce n'est pas si simple que ça. Et c'est peut-être ce qui explique l'état du monde, et ce qui explique l'intervention d'une mère pour nous conduire à Jésus, en nous réapprenant à prier. Je l'ai moi-même observé. Après avoir appliqué pendant 15 ans les messages de Marie à Medjugorje, régulièrement je perds la prière avec le cœur. Je pense que le malin essaye de m'empêcher de prier correctement. Quelquefois ça peut durer une semaine, 15 jours ou plus. Je finis par retrouver la prière avec le cœur après avoir fait 5 ou 6 sacrifices. Le 26 novembre 2015. Statue qui bouge. Après la messe du dimanche matin, lors du baptême de Inga, pendant que le prêtre baptisait l'enfant, un parent a filmé la statue de Notre-Dame de la Conception. En arrivant à la maison, il est allé montrer aux parents la vidéo, et voici la surprise, la statue applaudit. La famille qui a posté la vidéo sur Internet n'a aucune connaissance technique pour faire un montage vidéo. Petite précision, la vidéo est au ralenti. Dans la zone blanche, en cliquant sur l'image, vous pouvez voir des dizaines de miracles filmés. Et dans la zone rouge, la dernière vidéo. Je publie une vidéo tous les jours à 18h sous la forme d'une aide spirituelle et d'un miracle. Alors abonnez-vous pour les voir en suivant la flèche rouge.